suis Léa Coulon et je suis coordinatrice du projet de communication responsable Bicom. C'est quoi votre projet ? Le projet Bicom, c'est une plateforme d'e-learning qui rassemble une formation gratuite autour de 9 grandes thématiques de la communication responsable, une trentaine de vidéos, un guide méthodologique complet et des ressources indispensables pour apprendre à communiquer de façon plus responsable. Quelles sont les actions mises en place ? Notre projet bénéficie d'un cofinancement de l'Union européenne dans le cadre d'un programme Erasmus+ dédié à l'éducation des adultes, ce qui nous a permis de mener un travail de fond avec nos partenaires européens, qui sont des agences et écoles expertes en communication durable et qui sont situées en France, en Belgique, au Royaume-Uni et en Espagne. Chaque partenaire était responsable d'une ou plusieurs thématiques afin de créer des méthodologies concrètes d'action. Et en sachant que tous les contenus qu'on a créés ont été développés avec les principes de l'éco-conception. Avez-vous eu des retombées ? Alors la plateforme a été publiée à la fin de l'année 2023 et le lancement officiel du projet en grande pompe est prévu le 22 février à l'IEX Academy à Bruxelles avec un panel exceptionnel d'intervenants. De fait, il est encore un peu tôt pour mesurer les retombées du projet, bien qu'on ait eu des retours très positifs, en particulier via nos réseaux sociaux, etc. Mais donc après ce lancement officiel, chaque partenaire sera chargé de la diffusion du projet dans son pays. Et c'est là un peu le caractère innovant de ce projet, c'est qu'il a une portée universelle et qu'il permet pour la première fois de créer un langage commun autour de la communication responsable. Un dernier mot pour le jury ? Comme tous les secteurs de la société, face à la crise écologique qui s'aggrave de jour en jour, il est impératif que le secteur de la communication s'empare des questions environnementales. Les outils et les méthodes, elles existent et elles sont rassemblées sur notre plateforme Bicom.